Bienvenue sur ce groupe. Bienvenue à toi, à toi, à toi, à toi. Soyez vraiment les bienvenus. Soyez vous-même. Vivez votre santé. Cœur. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer à travers ce groupe. Pourquoi ce groupe ? Parce que j'ai voulu vraiment faire un groupe cocoon, un groupe où on échange, un groupe où on s'engage sur soi, un groupe où on communique, un groupe où on co-crée. J'ai eu une expérience de groupe et c'est OK, où il y avait beaucoup de monde et où il ne se passait rien. On consommait et c'est OK de la publication et il ne se passait rien. Pour autant, si on veut vraiment changer quelque chose dans notre vie, si on veut vraiment se transformer, quel que soit le thérapeute qu'on prend, quelles que soient les techniques, les outils qu'on prend, ça demande un engagement sur soi. Alors, en cette période où ça tangue, où on a plein d'émotions contradictoires, on a peur, on est stressé, on est angoissé, ça boue, puisque je filme cette vidéo de bienvenue le lundi, premier lundi du deuxième confinement. Je me suis dit, là, il faut y aller. Là, il faut proposer, avec qui je suis, avec mes expériences, mes connaissances, un groupe où les personnes, où tu te sentiras en confiance, où tu te sentiras dosé, tu te sentiras de t'engager sur toi, de pouvoir échanger avec les autres, de pouvoir participer à des événements gratuits ou pas, parce que je te proposerai aussi des événements payants, sans obligation de participer, bien évidemment. Ce sera des événements payants, ce sera des événements où on ira un peu plus en profondeur. Mais avant tout, j'ai envie de te proposer, déjà, on va être dans le basique. On va être dans les choses qui t'inquiètent en ce moment. Et là, à l'instant T, lundi, on est au mois de 2 novembre, comment tu te sens aujourd'hui ? Comment tu es aujourd'hui ? Et c'est ce qui m'intéresse. On va travailler ensemble. Je vais t'accompagner, te guider tout simplement parce que je n'ai aucune vérité. Tu as ta vérité et c'est toi qui vas t'apporter ton mode solution dans l'amour de toi. Il n'y a rien de plus beau que l'amour de soi. C'est quoi l'amour de soi ? Ça peut être quelque chose de très perché peut-être pour soi. C'est revenir à soi. C'est retrouver ce calme intérieur. C'est se mettre au premier plan de sa vie. C'est écouter ses besoins. C'est écouter la belle personne que tu es dans l'amour de toi. Tu ne pourras pas aider les autres si tu n'es pas dans l'amour de toi. Tu ne pourras pas être la belle personne que tu es si tu n'es pas dans l'amour de toi. Alors l'amour de toi, c'est quoi ? C'est déjà prendre soin de soi. Ça, c'est déjà pas mal. Ça ne suffit pas. C'est vraiment écouter tes besoins. C'est aller dans tes profondeurs pour faire un petit peu, moi je dis un état des lieux, une fois qu'on a fait l'état des lieux, c'est vraiment aller transformer ce qui a transformé parce que tu es une belle personne. Tu as apporté au monde, mais avant tout, tu t'as apporté à toi. Et très souvent, j'en ai fait partie de ces personnes-là. On fait passer les besoins des autres avant les siens. Et qu'est-ce qui se passe ? On se perd. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné ? On est complètement paumé, on souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou si on ne s'en rend pas compte, on a une vie qui est à côté de nos pompes et on en va la terre entière et on est en colère, etc. Donc pour l'heure, ce groupe maintenant, il est pour toi, il est à toi, il t'appartient. Je vais me présenter un petit peu quand même. Donc moi, je suis Céline Boiteux. Certains me connaissent, certains ne me connaissent pas. Donc, je suis anciennement infirmière. Donc, le soin, pour moi, c'est ma vie, c'est ce qui résonne à moi, c'est dans mes pores, je le transpire. Mais j'étais frustrée parce que je n'accompagnais pas les personnes dans la globalité. Aujourd'hui, j'ai cette chance grâce à l'entreprise que j'ai créée, c'est Céline B Coaching, où j'accompagne les personnes. Je suis une accompagnatrice de l'être. Je suis une femme de soins.
Je suis auteur aussi d'un livre, un conte pour enfants, Jojo la citrouille. Je vous mettrai le lien de mon site internet en commentaire. Je suis une inspiratrice en radio à Bleu-Gard-Lozère, pour ceux qui connaissent, dans le Gard. Et puis, je suis conférencière. Mais bon, en ce moment, c'est un peu loupé. Mais on fait autrement, on se réinvente. Et aussi, je suis créatrice d'un concept qui s'appelle « Les oui, c'est possible » sur ma chaîne YouTube, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, peu importe, des êtres humains qui osent faire des choses qui les inspirent. Ça peut être tout, n'importe quoi, qui osent pour eux, pour après le contribuer au monde. Et ça, c'est juste extraordinaire. Ça fait partie aussi de mes sources d'inspiration pour moi et pour vous. Parce que moi, chaque fois que j'accompagne quelqu'un, que ce soit dans le programme OSE que j'ai, un programme de 3 mois, en individuel, ou quand je fais du gratuit avec les « Oui, c'est possible » sur ma chaîne YouTube, ou toutes les belles rencontres que je fais, pour moi, c'est des sources d'inspiration et ça me nourrit. Sachez aussi, je vais mettre bien à l'aise. Je ne suis ni plus ni moins que vous. Je suis avec mes forces, avec mes faiblesses. Et que comme vous, je me fais accompagner, je ne sais pas si vous le faites déjà, comme vous, je suis un chemin et j'apprends tous les jours et je me découvre tous les jours et je surfe avec comme vous sur la vague tous les jours. Et comme vous, en ce moment, des fois, ben, ce n'est pas facile. Des fois, ben, on a peur. Des fois, on ne sait pas, on est stressé, on est angoissé. Donc, tout est OK. Et ce groupe, il est là pour vous, à une condition. Et ça, j'y tiens profondément. Que vous vous engagez sur vous, que vous ne soyez pas dans une consommation de publications, que vous soyez vraiment dans un engagement, dans un échange, dans une co-création. Parce que je vous le répète, sans ça, on ne peut pas faire un travail profond sur soi. Avant, on va commencer à aller un peu en surface parce que c'est important. On va aller voir un petit peu. Je vais sûrement vous proposer là, dans les jours qui arrivent, la semaine prochaine, un webinaire sur les peurs, sur les émotions. Vous verrez, vous allez voir, vous allez pouvoir vous y inscrire. Mais à l'heure actuelle, ce groupe-là, dans la présentation de ce groupe, j'ai envie de vous dire que votre santé, la santé du corps, du cœur et de l'esprit, tout est lié. Et que ce groupe va être là pour vous y accompagner, pas après pas. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Chacun a son rythme. Je vous en prie, chacun a son rythme. Ce n'est pas parce que vous aurez un peu de retard, si je veux dire, vous êtes moins bien que la personne qui sera devant vous. Vous êtes tué. Une belle personne. Et ce groupe s'appelle « Soyez vous-même ». Et c'est là où j'ai envie de vous amener, à être vous-même, à être dans l'amour de vous, à écouter votre cœur, à être la belle personne. C'est là que ça se passe. C'est pas là. Et là, il va vous donner plein d'excuses pour ne pas. J'ai pas le temps, j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur. Elle ou elle, il est mieux que moi. Ou alors, vous allez attendre d'être aimé par les autres. Ça ne va pas marcher. Quelle est la personne qui va le mieux vous aimer ? Ben, c'est vous. Parce que c'est vous la personne la plus importante au monde, je vous le répète, et qu'en priorité, il est nécessaire, et je dirais même vital, à partir de maintenant, où le monde se transforme, où plus rien ne sera comme avant, sachez-le, de revenir à vous, d'apprendre à vous aimer et d'aller dans vos profondeurs. Alors, avant d'aller dans vos profondeurs, on va aller tranquillement ensemble. Vous allez pouvoir découvrir plein de choses. Vous allez pouvoir vous documenter. Je vais mettre une vigilance. Attention, tout ça, ce ne sont pas des médicaments miracles. À l'époque, je disais que le développement personnel était top. Il l'est toujours. Sauf qu'il est devenu conceptuel. Et on s'est coupé du cœur avec le développement personnel. Il a été très utile à un moment, mais maintenant, il est désuet. On peut lui dire merci parce que grâce à ça, moi la première, je n'aurais peut-être pas forcément ouvert ma conscience, mais il est désuet dans le sens où il est devenu trop conceptuel. On dirait un livre de recettes. Ce n'est pas parce que je connais la loi d'attraction que ce n'est pas parce que je vais faire une séance de ça, pour un symptôme. Là, on est un petit peu comme dans, on va dire, la médecine allopathique.
Autre chose que je voulais vous dire, je suis infirmière de métier et pour moi, on n'est pas dans la dualité médecine traditionnelle et tout le reste. On est vraiment dans une globalité, dans l'amour de ces deux concepts qui sont utiles, qui sont vraiment essentiels. On est dans l'amour, on n'est pas dans la « moi je suis mieux que toi », encore une fois. On est vraiment dans l'amour et ce n'est pas parce que vous avez besoin un jour d'un traitement médicamenteux que ça vous empêche de travailler sur vous. Bien évidemment, vous savez que tout est utile, qu'il n'y a pas de recette magique, que c'est vous qui avez tout en main, c'est vous qui détenez votre mode de solution. Moi, je vous y accompagnerai, je vous guiderai. Je ne vais pas vous donner de recettes miracles, je n'en ai point. Je ne suis pas dans... il faut que vous fassiez comme ça, il faut faire comme si. Non, moi je vous accompagnerai à être vous-même, à vivre votre santé, à écouter votre cœur. Et pour moi, là est le soin dans la globalité, le corps, le cœur et l'esprit, c'est ma valeur. Alors, êtes-vous prêt pour vous engager sur vous? Êtes-vous prêt pour co-créer dans ce groupe? Pour échanger? Pour interagir? Êtes-vous prêt pour vous engager sur vous parce que vous êtes la personne la plus importante au monde? C'est tout.